Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours Les bases de la comptabilité générale. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis de la redémarrer afin d'en voir la correction. Pour chacune des opérations suivantes, nous allons indiquer le compte qui sera débité ou crédité pour constater le flux physique. S'il s'agit d'un flux physique d'entrée, nous allons donc utiliser un compte de classe 6 s'il s'agit d'un flux physique d'entrée court terme, ou alors nous utiliserons un compte de classe 2 s'il s'agit d'un flux physique d'entrée long terme. S'il s'agit d'un flux physique de sortie, nous utiliserons un compte de classe 7. Première opération, nous achetons des timbres à la poste. Nous allons utiliser le compte 626, frais postaux et frais de télécommunication. Deuxième opération, achat de bois pour fabriquer des meubles. Il s'agit d'un achat de matières premières, compte 601. Troisième opération, vente de meubles fabriqués par les ateliers de l'entreprise. Nous fabriquons les meubles, il s'agit donc d'une vente de produits finis, compte 701. Quatrième opération, facture reçue de l'imprimeur pour la réalisation d'un catalogue printemps-été. Nous utiliserons le compte 6236, catalogues et imprimés. Cinquième opération, vente de meubles achetés par l'entreprise et revendus en l'état. Il s'agit de marchandises que nous enregistrerons dans le compte 707, vente de marchandises. Opération 6, réception d'une facture relative à l'entretien des locaux par la société Loconet. Il s'agit du compte 6152, entretien et réparation sur biens immobiliers. Opération 7, achat de papier cadeau pour emballer les paquets des clients. Ce sont des fournitures de magasins. Compte 602-24. Opération 8, frais facturés par un architecte afin d'étudier les possibilités d'extension du bâtiment administratif. Les frais facturés par un architecte sont des honoraires qui s'enregistrent dans le compte 6226 honoraires. Opération 9, constatation de la prime d'assiduité versée aux salariés de l'entreprise. Une prime, comme tous les éléments du salaire s'enregistrent dans un compte 641, en l'occurrence 6413 primes et gratifications. Renouvellement du parc informatique de l'entreprise, il s'agit de biens durables qui s'enregistrent dans un compte de classe 2, 2183 matériel de bureau et matériel informatique. Opération 11, enregistrement des cotisations patronales versées aux caisses de retraite. C'est le compte 6453, cotisations aux caisses de retraite. Opération 12, réception de l'avis d'échéance du loyer pour le local utilisé par l'entreprise. Nous sommes locataires, nous enregistrons donc une charge dans le compte 6132, locations immobilières. Opération 13, achat de sparadrap et autres biens de parapharmacie pour la trousse de sécurité de l'atelier. C'est le compte 6475, médecine du travail, pharmacie. Paiement de la redevance pour le brevet qu'utilise l'entreprise. Il s'agit d'une charge enregistrée dans le compte 6511, redevance pour concession, brevet, licence, marque, procédé, logiciel. Opération 15, frais d'envoi d'un colis à un client par Colissimo. Il s'agit pour nous d'une charge, en l'occurrence 626, frais postaux et frais de télécommunication. Le versement d'un pourboire à un livreur est considéré comme étant des relations publiques et s'enregistre donc dans un sous-compte du compte 623 publicité, en l'occurrence 6238, divers, pourboires et dons courants. Opération 17, réception d'une facture concernant la réparation des ordinateurs du service comptable. Il s'agit de maintenance, compte 6156.
Opération 18, achat d'un logiciel de traitement de texte. Nous achetons en l'occurrence le droit d'utiliser ce logiciel, c'est-à-dire sa licence d'exploitation. Il s'agit donc d'une immobilisation incorporelle qui s'enregistre dans un compte commençant par 20. Il s'agit plus précisément du compte 205, concession et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. Opération 19, achat d'un nouveau bâtiment pour y transférer les locaux de l'entreprise, c'est le compte 2131, bâtiment. Achat d'une rotative pour une imprimerie, il s'agit d'un matériel industriel, compte 2154. L'achat d'une ponceuse sera un outillage industriel, compte 2155. L'outillage est plus petit que le matériel industriel. Opération 22, montant des jetons de présence versés aux administrateurs de l'entreprise. Le terme « jeton de présence » désigne la rémunération versée aux administrateurs d'une société. C'est le compte 653, « jetons de présence ». Le montant des intérêts versés à la banque en raison d'un emprunt dont une partie reste à rembourser constitue pour nous une charge financière qui s'enregistre dans un compte 66, plus précisément 66-116 en intérêts des emprunts et dettes assimilées. L'achat d'un bureau et de chaises pour la secrétaire constitue une acquisition de mobilier, compte 2184. Le montant des intérêts de découvert constatés pendant le mois est une charge d'intérêt qui s'enregistre dans le compte 66-15, intérêt des comptes courants et des dépôts créditeurs. Opération 26, pénalité de retard due en raison d'une déclaration d'imposition tardive. Il s'agit pour nous d'une charge exceptionnelle qui s'enregistre dans le compte 67-12, pénalité, amendes fiscales et pénales. Le montant de l'impôt sur les bénéfices s'enregistre dans le compte 695, impôt sur les bénéfices. Opération 28, vente de déchets de fabrication. Les déchets et les rebuts de fabrication s'enregistrent dans le compte 703, vente de produits résiduels. L'envoi de la facture d'entretien des locaux à l'un de nos clients. Il s'agit ici pour nous d'un produit, puisque c'est nous qui procurons le service à ce client, ce qui constitue pour nous un flux physique de sortie. Par conséquent, le compte 706, prestation de service. Réception de la facture d'un sous-traitant qui fabrique une pièce des meubles que nous vendons. Il s'agit pour nous d'une charge, 611, sous-traitance générale. L'achat de gomme, papier, stylo pour les services administratifs constitue un achat de fourniture de bureau, 602,25. L'achat d'une étude de marché. Nous utiliserons le compte 604, achat d'études et prestations de services. Pour la réception de l'avis d'imposition à la taxe professionnelle, le compte 63-512, taxe professionnelle. 63-511, pardon. Pour le remboursement d'un trop-perçu d'impôt par l'État, il s'agira pour nous d'un produit exceptionnel. C'est ce que nous appelons un dégrèvement d'impôt. Compte 77-17, dégrèvement d'impôt, autre qu'impôt sur les bénéfices. Constatation des salaires versés aux salariés de l'entreprise, il s'agit du compte 6411, salaires et appointements. Opération 36, paiement de la redevance de crédit bail pour la voiture de fonction d'un cadre de l'entreprise. Nous utiliserons le compte 612-2, crédit bail mobilier. Pour les frais de location d'un véhicule de tourisme utilisé par le directeur lors de déplacements, nous débiterons le compte 6135, location mobilière. Opération 38, achat de tête de bétail par un agriculteur soucié d'augmenter la taille de son exploitation. Il s'agit pour lui d'une immobilisation, en l'occurrence 2185, cheptel. Opération 39, réception de l'avis d'échéance de l'assurance dommage construction, compte 6162, assurance obligatoire dommage construction. Abonnement à une revue d'information hebdomadaire, il s'agit de documentation générale, compte 6181.
intérêt perçu au titre d'un prêt que l'emprunteur ne nous a pas encore entièrement remboursé. Il s'agit pour nous d'un produit, plus précisément d'un produit financier qui s'enregistrera dans un compte 76, à savoir 76-26, revenu des prêts. Paiement d'un intervenant extérieur pour l'animation d'un séminaire de motivation des salariés. Il s'agit du compte 6185, frais de colloque, séminaire, conférence. Opération 43, signature d'un contrat de mise à disposition avec une agence d'intérim. Nous constatons là un service dont nous fait bénéficier l'agence dans le compte 6211, personnel intérimaire. Opération 44, réception de la facture du cabinet d'expertise comptable chargé de réaliser les documents de synthèse de l'entreprise. Il s'agit du compte 6226, honoraire. Une publication dans un journal local s'enregistrera dans le compte 623, publicité. La perception du loyer envoyé par notre locataire s'enregistrera quant à elle dans le compte 7083, locations diverses. Une fabrication d'échantillons qui seront distribués avec les produits de la marque s'enregistrera dans le compte 6232, échantillons. Opération 48, paiement des frais de transport au livreur qui achemine nos marchandises à nos clients. Il s'agit pour nous d'une charge enregistrée dans le compte 6242, transport sur vente. Opération 49, paiement des frais de transport au livreur qui nous a livré les matières premières achetées à notre fournisseur. Cette fois-ci, il s'agit encore d'une charge, mais d'un transport sur achat, compte 6241. L'achat d'un billet de train s'enregistrera dans le compte 6251, voyages et déplacements. L'abonnement à un magazine spécialisé d'informatique technique s'enregistrera dans le compte 6183, documentation technique. Opération 52, frais de restauration engagés par un commercial itinérant. Il s'agit de frais de mission enregistrés dans le compte 6256. La location d'un coffre-fort à la banque constitue un service bancaire qui s'enregistre au débit du compte 6276, location de coffre. Les frais engagés pour passer une annonce de recrutement sur Internet s'enregistreront dans le compte 6284, frais de recrutement du personnel. L'acquisition d'un fonds de commerce constitue l'acquisition d'une immobilisation incorporelle qui s'enregistre dans le compte 207, fonds commercial. L'achat d'un camion pour assurer les livraisons correspond quant à elle à une acquisition d'immobilisation corporelle, compte 2182, matériel de transport. Réception de l'avis d'imposition à la taxe d'apprentissage. Comme toutes les taxes, il s'agit d'un compte 63, en l'occurrence 6312, taxe d'apprentissage. Opération 58, achat de boîtes de conserve qui seront revendues en l'état aux clients de l'entreprise. Il s'agit donc de marchandises qui s'enregistreront dans le compte 607, achat de marchandises. La réception de la facture de téléphone correspond à un service qui s'enregistre dans le compte 626, frais postaux et frais de télécommunication. Opération 60, facturation de frais de transport forfaitaire à l'un de nos clients à qui nous livrons la marchandise qu'il a commandée. Nous rendons alors un service à un client, ce qui correspond pour nous à un flux physique de sortie, par conséquent un compte de classe 7, 7085, port et frais accessoires facturés. Opération 61, perception d'une redevance pour une marque que nous avons concédée. Il s'agit du compte 7511, redevance pour concession, brevet, licence, marque, procédé, logiciel. Opération numéro 62, montant perçu au titre du droit d'auteur. Il s'agit du compte 7516, droit d'auteur et de reproduction. Les frais d'inscription à la Foire de Paris correspondent au compte 6233, foires et expositions. Opération 64,
perception de jetons de présence pour une société dont notre entreprise occupe les fonctions d'administrateur. Il s'agit pour nous d'un produit, compte 753, jetons de présence et rémunération d'administrateur gérant. Enfin, l'organisation d'un cocktail où sont attendus une trentaine de clients s'enregistrera dans le compte 6257, réception.